soir, on se retrouve ce soir sur la chaîne Will Mastro pour une petite réaction sur une chanson qu'on m'a proposée encore en commentaire. Hein. Mais dites-moi comment il faudrait qu'on fasse. Est-ce qu'on monte comment ça s'appelle? Un compte. Comment ça s'appelle? Un truc vert là. WhatsApp? Pour justement se donner les titres ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou mettez vraiment en commentaire ce que vous souhaitez, sur quelle chanson vous souhaitez que je réagisse. Et je vais le faire. Et ce coup-ci, on va repartir du côté est. Oui, c'est bien de ce côté-là. Hein. Pour vous, pour moi, non, c'est pas le bon côté. Je suis côté ouest, là, sinon. Donc, on va aller rejoindre encore nos amis de Russie, où nous allons découvrir une jeune chanteuse russe que je vais vous dire tout de suite. C'est notre amie Polina Gagarine. Gagarina, elle tient un peu du nom de et d'un spationaute, je crois qu'on dit pour les Russes, un spationaute russe qui était Gagarine. Donc on va voir si elle chante aussi bien que cette personne allait dans l'espace. Est-ce qu'elle va nous emmener dans l'espace? Ça, c'est une autre question. Allez, c'est parti, on écoute. Avec coucou. Kikiwaka. Très joli. Если есть порох, дай огня.
Alors là, au départ, j'étais perplexe. Une voix grave, bien, mais quand elle a commencé à monter, et les frissons aussi, et j'ai même pas eu le temps de lever le bras, elle est capable de monter avec une voix puissante, claire. Dites-moi, mes amis russes, dans les commentaires. C'est plus une rockeuse, non? Dites-moi, elle a plus une voix pour faire du rock ou... Non, non, vous avez des talents au niveau chanteur quand même assez intéressants. Hein. Ils méritent d'être connus dans nos frontières parce que elle, franchement, j'adore. J'adore parce qu'elle a elle a une voix très rock et rock. Moins que Diana Ankoudinova. Mais elle pourrait très bien faire du rock. Ah ouais, franchement, j'adore sa voix. Elle est vraiment très claire, très propre. Et quand elle monte, puissance, maîtrise, enfin, elle maîtrise tout. Hein. Elle maîtrise la douceur. Ah non, franchement, là, je suis comblé en ce moment. Vous me sortez des pépites, les gars. C'est un truc de ouf. Hein. Continuez. Hein. Continuez, je suis. Je comprends pas. Je comprends pas qu'en Occident, on n'ouvre pas. Enfin, en Occident. En France surtout, on n'ouvre pas plus nos œillères. Hein. On est très comme ça et on n'ouvre pas nos œillères pour regarder ce qui se passe là-bas. C'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé cette chaîne. Pour justement en apprendre encore plus et montrer ce qu'on peut ressentir en montrant des talents qu'on ne connaît absolument pas. Et là, franchement, tous ceux que vous me donnez, c'est un bonheur musical intense, les gars et les dames. J'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent et je suis désolé, mais si je mets tout au masculin, désolé. Mais franchement, je trouve vraiment ça très bon. Côté russe, vous avez beaucoup de bons chanteurs. Il y en a partout autre part. Hein. J'ai vu des Brésiliens, des Philippins, on a vu des Norvégiens. Non, franchement, faut arrêter de regarder dans nos frontières. Hein. Il y en a qui ont beaucoup moins de talent que chez vous. Hein. Sauf que chez vous, c'est peut-être le fait de les faire connaître dans votre pays, ça cartonne. Hein. Et puis bon, vu que vous avez des grands pays par rapport, surtout pour la Russie, je parle, vous avez un grand pays, donc forcément, quand ils sont connus en Russie, il y a beaucoup de monde qui les suit, donc j'aimerais bien être connu en Russie. Comme ça, plus de 100 millions de personnes qui me suivent, ça serait... Et là, je fais qu'une chaîne russe. C'est parti. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette chanteuse déjà, Polina Gagarina, qui nous a chanté Coucou. Je peux pas le dire en russe, hein, excusez-moi. Peut-être que vous pourrez me le dire, mais c'est Coucou en russe. Et faudra que je regarde le texte, évidemment, parce que là, évidemment... Pas de sous-titres, c'est ça, bah c'est un peu casse-pied. Donc, c'est vraiment au feeling de la voix et du ressenti de la chanteuse. Et franchement, c'était vraiment très bon. Donc, si vous avez aimé la version, enfin, dites-moi si c'est une version originale ou à elle. Mais oui, alors, si vous avez aimé sa réaction, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez aimé la mienne, abonnez-vous. Cochez la cloche des notifications pour avoir les prochaines vidéos qui vont venir, enfin les notifications des prochaines vidéos, comme ça vous en raterez aucune. Et j'espère que vous allez bien vous porter et que vous me proposerez d'autres. N'hésitez pas à me proposer d'autres titres et de chanteurs, peu importe un russe ou pas, que vous avez découvert, qui peuvent m'intéresser et je m'y attarderai. Donc prenez soin de vous, de votre famille, c'est vraiment le plus important. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine réaction vidéo. Allez, bonne soirée à vous et à votre famille.